Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé « Assumer les besoins des autres entre l'obligatoire et le recommandable ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et faites le bien, puissiez-vous réussir ». J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed et son prophète et messager. Où Allah accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Assumer les besoins des autres fait partie intégrante de nobles valeurs auxquelles l'islam fait appel, les faisant parmi les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, gloire à lui, qui chérit ce que le font à titre caritatif. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: les hommes le plus aimés auprès d'Allah sont le plus utiles aux autres, ou bien le plus utile pour les gens. Les œuvres les plus pies auprès d'Allah résident dans une joie que tu apportes à un croyant, à un musulman, ou bien à un croyant, un malheur que tu lui dissipes, une dette que tu remportes à sa place, une faim que tu lui chasses. Il me veut mieux d'aller assumer les besoins d'un frère que d'observer la retraite spirituelle pour un mois dans ma mosquée d'Omidine. Allah gloire à lui dit, Allah gloire à lui, promet le salut, la dissipation du malheur, aussi bien dans les ici-bas que dans l'au-delà, à celui qui subventionne aux besoins des autres. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: les actes caritatifs préservent contre le mort néfaste, les fléaux et les calamités. L'observation du lien de sang bénit la vie. Tout acte de bienfaisance est une charité. Les bienfaiteurs dans le ciel-bas sont les bienfaiteurs dans l'au-delà. Il dit également: quiconque assume le besoin de son frère, Allah lui assume son besoin. Et quiconque dissipe à un musulman l'un des malheurs de le ciel-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Assumer les besoins des autres est parmi les qualités de prophète élu, salut sur eau. Lorsque Moïse, salut sur lui, arriva à la source d'eau de Madian, il y trouva un groupe d'hommes en train d'abreuver leurs bêtes et bestieux, alors qu'il y avait deux femmes qui attendaient, qui ont pris quart et quart, jusqu'à ce que les hommes vigoureux terminent l'abreuvage de leurs bêtes. Informé de leur récit, Moïse, salut sur lui, se précipita à les aider. Allah gloire à lui dit: et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: que voulez-vous? Elles dirent, c'est-à-dire les deux femmes: nous n'abréverons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ambre et dit: Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. À notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija kallala grédit par Allah, Allah ne t'intimidera point. Pourquoi? Il a donné des motifs et des raisons. Tu observes le lien de sang, tu assistes le surchargé, tu fournis emploi à l'indigent, tu fais hospitalité aux hôtes et te soulages au moment de malheur. Donc ce sont des motifs via lesquels le prophète sera toujours à l'abri de n'importe quelle intimidation de la part d'Allah. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un modèle à suivre en matière d'assister les autres. On a plusieurs exemples dont le sujet ne pourrait pas tout concevoir. Cette assistance rendue aux autres est obligatoire. Obligatoire via quoi? Via la zakat, qui est l'un des cinq piliers de l'islam. C'est par laquelle qu'on subventionne aux besoins de gens et leur dissipe les malheurs. Allah gloire à lui dit: prélève sur leurs biens une charité par laquelle tu les purifies et les élèves. Elle dit également: et toutes dépenses que vous faites
dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam est fondé sur 5 piliers, attester qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la salat, quitter la zakat, faire le pèlerinage et observer le jeûne du mois du ramadan. Allah, gloire à lui, associe dans plusieurs endroits coraniques entre la zakat et la salat, qui est la sommité des actes cultuels. Ce, à titre d'honneur et d'attention particulière, où il dit, subhanahu wa ta'ala, et accomplissez la salat et acquittez la zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement et ce que vous faites. Il dit également, et qui accomplisse la salat, acquitte la zakat, et croit avec certitude en l'au-delà. Ça inscrit également dans le cadre d'assumer le besoin des autres, toutes les personnes chargées de gérer l'une des affaires de leur vie, la vie de musulman, quelle qu'en soit la nature, il doit la faciliter au maximum de possible, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Facilité n'est pas compliqué ». L'ange Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui l'y suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. On pourrait subventionner aux besoins des autres par voie de recommandable, via la charité qui renforce le rôle communautaire joué par la zakat, d'où la pure charia les exhorte et leur incite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans les biens un droit autre que la zakat, c'est-à-dire les charités. Puis, il récita, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le cochon, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au dernier jour, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien quelque amour que l'on ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux que demande l'aide et pour délier les joues. Donc, plusieurs éléments en fait constituent Albert ou bien la bonté pieuse. Sans doute, la rétribution de charité est si immense et leur bien est si grand. Allah, gloire à lui, dit ce que en la foi on fait de bonnes œuvres, accomplit la salat et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et ils ne seront point infligés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout matin, deux anges descendent aux serviteurs. L'un dit, ô Allah, accorde rétribution, ou bien donner rétribution au donateur, et l'autre dit, ô Allah, donne perte aux parcimonieux. Donc le prophète, il dit également, cherche la guérison de vos malades dans la charité et immunisez vos biens par la zakat. Il dit également, la charité atteint la colère de Seigneur et empêche la mort néfaste. On a donc très besoin d'assumer les besoins des gens par la donation obligatoire et celle recommandable. On en cite par exemple au monde prescrit, c'est-à-dire la zakat, mais pour le recommandable, la charité durable et générale, et lui le fait d'aider le faible, secourir le malheureux, lever la nuisance de la route, assister le besogneux, et tout acte de bienfaisance est une charité. Oh Allah, préserve l'Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.